une grosse sortie de Bourdon, de faux Bourdon. Ça fait beaucoup de bruit. Toutes les ruches. C'est énorme. La fête des Bourdons, 19 mai. Et en l'air, c'est que ça. Hein. La ruche derrière, pareil. Allez, on va aller voir, vous allez voir. Un petit peu moins. Et là, on voit la sortie. Donc les ruches sont remplies, remplies, remplies de bourdons, de faux bourdons. Un petit peu de pollen. Regardez-moi ça, les gros pépères, les trois devant là. Et encore un qui sort. C'est des naissances, on en voit un blanc là. Vous voyez, gros là, hop, il est parti. C'est des jeunes ça. Hein. Oh, il n'y a pas que ça. Il va falloir nourrir tout ça, les filles. Hein. Oh là 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 là. Regardez ça. Il y en a autant qui sortent qu'il y en a qui rentrent. On va voir la troisième ruche. Mais bon, on les reconnaît avec leurs gros yeux, avec leur gros abdomen. Là. Dernière ruche. Alors. Et on peut voir que elle aussi, les gros pépères, ils sortent. Regardez-moi ça, les gros pépères. Bon. Bon, après avoir vu l'escargot de Quimper, les orchidées, une invasion de faux bourdons. La vie est belle, hein. Ça remonte, tout ça, ça. Allez. Ouf. Et là-bas, caché dans l'arbre, pour ceux qui suivent, j'ai une ruche piège au cas où j'ai un essaim qui sorte.